Cela fait 18 mois que l'Université de Polynésie française est en travaux. Le pôle de recherche et le centre d'hébergement des étudiants sont en cours de construction. Près de 3000 mètres carrés de surface pour un investissement d'1 milliard de francs. Ces bâtiments vont accueillir les chercheurs de l'université et vont libérer de l'espace pour de nouvelles salles de cours notamment. La fin des travaux est prévue mi-décembre au plus tard pour un emménagement court en janvier. Patrick Capolsini, le président de l'Université de Polynésie, est au micro de Patita Savea. Nos chercheurs ici, ça va permettre de créer une vraie dynamique de recherche avec de l'interdisciplinarité entre les recherches des différents chercheurs. Et puis, ça dégage des espaces qui vont nous permettre d'avoir des salles de cours, d'avoir un peu plus de place pour notre administration aussi, qui aujourd'hui est très à l'étroit dans ses bureaux. Et donc, ça va donner un peu de respiration, une vraie respiration au campus. L'information, on continue sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.